Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale parce que je sais que sur TikTok, il y a plein de conneries en exercice de musculation. Je voulais un peu voir ce qui se fait dedans et corriger certains trucs parce que là, c'est trop. D'accord? Il y a trop de conneries. Je sais que les gens qui ont la flemme, quand ils vont sur TikTok, ils sont contents. Mais moi, je suis là pour vous montrer la réalité des choses et pour arrêter de faire ces conneries-là. Et de vous mettre sur le droit chemin, le chemin de la souffrance. Parce que c'est que la souffrance en muscu qu'on se développe, concrètement. Donc là, j'ai 5 vidéos, on va regarder ça, on va rigoler. Et je vais apporter un peu plus de conseils et de précisions, ou même d'alternatives, pour t'aider, d'accord? Mais là, on est sur le thème des bras. Parce que c'est important, j'ai des bras, c'est mon point fort. Et je pourrais te donner les meilleurs conseils, parce que c'est moi le boss des bras, d'accord? Bon, je t'épargne le son, mais je te montre la première vidéo. C'est un espèce de mec qui fait un espèce de cœur là avec une poulie, tu vois. Je sais pas pourquoi il fait ça, je comprends pas pourquoi il fait ça, mais ça sert à rien, d'accord? Ça sert à rien. Tu te fais mal pour rien, d'accord? Il faut pas faire ça, les gars. Le problème sur TikTok, c'est que les gens veulent tellement innover en musculation qui font de la merde, qui font n'importe quoi, d'accord? Moi, si tu as une poulie ajustable, ce que je te conseille de faire, c'est de baisser la poulie, de prendre une barre droite et de faire du curl biceps standard, d'accord? Ça sera beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant que ton mouvement bizarre que tu fais. Non seulement tu fais pas bien le mouvement, si tu fais le biceps, eh ben, tu as mal le ressentir et mal le contracter. Parce que ton triceps, il peut prendre aussi, mais c'est n'importe quoi. Mais si tu veux vraiment bien bosser ton biceps, tes bras, baisse la poulie et fais ce curl-là. D'accord? C'est beaucoup mieux. Si tu fais tes triceps, tu montes ta poulie et tu fais tout simplement de l'extension triceps. D'accord? Tout simplement, tu fais ça. Va pas t'embêter avec des mouvements bizarres, d'accord? Bon, là, la deuxième et troisième vidéo, c'est des vidéos spéciales, d'accord? Parce que c'est des femmes, mais bon, on prend tout le monde, hein. Hommes, femmes, voilà. Mais là, c'est les vidéos dans la catégorie je peux faire du sport sans rien faire, d'accord? Ou je peux faire du sport en faisant n'importe quoi. Je peux me débarrasser de la cellulite ou de mes gros bras gras en faisant n'importe quoi. Sans me faire mal, d'accord? C'est ça. Je peux faire du sport sans me faire mal. Tu vois, en fait, c'est des gens, ils pensent qu'avec des mouvements de karaté ou de je sais pas quoi, que tu vas réussir à perdre ou à prendre des bras ou travailler tes bras. Non. Ça sert à rien, d'accord? Je suis désolé, mais ça sert à rien. Peut-être que si t'es en surpoids ou voilà, ça peut te motiver et tout, mais non, ne regarde pas ça, ça sert à rien. Tu vas faire ça, non seulement ça va te faire transpirer, ça va te fatiguer et ça va t'énerver, et tu vas pas travailler, d'accord? Tu vas pas travailler. Il y a aucune meilleure façon que de aller à la salle, prendre des poids et de faire les choses bien. Il y a des mouvements au poids de corps aussi, mais pour les biceps, pour les bras, il n'y a pas d'autre moyen, d'accord? Tu prends des poids, tu fais du curl et t'es tranquille. Et normalement, juste avant cette vidéo, j'ai une séance bras, d'accord? Donc c'est fait exprès. Cette vidéo est là pour te dire, va sur ma séance bras si tu veux voir comment on bosse les bras intelligemment. Donc ça, faut pas faire, faut bannir. Vidéo numéro 4, alors c'est, j'ai envie de dire, c'est la meilleure vidéo. Parce que on a un enfant qui nous montre un programme à faire qui est bien, mais ses exécutions, faut arrêter de faire ça, d'accord? Le mec fait des exécutions où il verrouille, d'accord? Il verrouille trop. Le fait de verrouiller les coudes quand tu fais tes mouvements, c'est dangereux, d'accord? Verrouiller, c'est quoi? C'est par exemple quand tu fais ta pompe, hop, et tu restes comme ça, tu verrouilles, ok? Au maximum, il faut pas le faire, d'accord? C'est pas parce que le mouvement a l'air complet qu'il faut le faire. Il faut toujours garder un léger flex. Par exemple, pour les pompes diamants, eh ben, je te conseille de faire ça. Je te conseille de bien descendre, bien monter, prendre ton temps, c'est important. Tu vois, les triceps sont contractés, ça bosse bien les triceps, ok? Ça bosse pas les biceps, ça bosse les triceps, et comme ça, tu es tranquille. C'est pas le meilleur mouvement pour bosser les triceps, mais c'est un bon mouvement.
Le deuxième mouvement qu'il a fait, je sais pas si c'est le deuxième, mais il a fait un mouvement où il fait, où il met ses bras croisés. Donc ça, c'est un mouvement, faut pas le faire, ça sert à rien. Tu vas te faire mal pour rien. Et j'aime pas ce mouvement-là. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour te faire des exemples parce que ma blessure au poignet s'est réveillée un peu en faisant ça là. Et je me suis dit, ah ouais, franchement, c'est compliqué. Deuxième exo, les. Je sais que nous on appelait ça les Tiger Push-Up. Lui, je sais pas comment il a appelé ça. Mais c'est des mouvements où tu te baisses légèrement sur les coudes et tu montes. Ça, c'est un bon exo pour les triceps. Ça bosse bien les triceps. Mais c'est pas le meilleur non plus. D'accord? Et en fait, tu vois, ça, moi, pour moi, c'est des exos qui marchent que quand tu es musclé. Parce que, en fait, je suis là pour dire la vérité. D'accord? Je suis pas là pour te mentir. J'aime pas mentir et ça sert à rien de mentir. Ok? Un mec comme moi qui fait une vidéo comme ça peut te laisser croire que tu vas avoir mon corps. Mais quand tu ressembles à l'enfant qui fait ça, ton corps il va pas bouger, malheureusement. Ça marche que quand tu as du muscle parce que ça se contracte, d'accord? Lui, il va rien se passer du tout. Donc, il vaut mieux construire intelligemment, soit à la salle, si tu peux aller à la salle, ou alors avec des dips, d'accord? Les dips, ça va être la meilleure solution pour se construire des gros triceps. Tout ce qui est pompe, diamant et tout, c'est bien, mais pour construire, c'est compliqué, d'accord? Et encore, les dips, c'est bien, mais au bout d'un moment, tu seras limité. Et si tu veux vraiment faire de la viande, il faudra des poids ou aller à la salle. Concrètement. À la fin, il nous a fait deux exos avec son sac. Bon, c'est bien, hein, mais les exos sacs et tout, moi, j'en ai marre de voir ça. D'accord? Si tu veux vraiment faire du sport et que tu es à la maison et que tu as un enfant, d'accord? Tu peux te procurer des haltères. Demande à tes parents, ils vont t'en acheter. Dis-leur, écoute, je viens de faire un peu de sport. Voilà, j'ai des haltères, j'ai des haltères. Faire du curl sac, faut arrêter. C'est comme les gens pendant le confinement qui faisaient du curl bouteille d'eau et tout. Faut arrêter ça, d'accord? Tu prends des haltères ou une barre et tu fais un curl réglementaire. C'est beaucoup mieux, d'accord? Parce que non seulement tu peux travailler en serré, tu peux travailler en large, tu peux travailler en prise pronation, en prise supination, t'es tranquille. Le curl sac, ça va plus te faire chier qu'autre chose. Ou tu vas le faire qu'une fois ou deux fois et après tu seras plus motivé. Il vaut mieux avoir du matériel prévu à cet effet. Cela dit, sa vidéo reste une bonne vidéo comparée à toutes les conneries que j'ai vues. C'est un petit programme, c'est cool, mais il y a des choses à revoir, malheureusement. Dernière vidéo qui est la meilleure de toutes les vidéos. Je vais juste vérifier si c'est bien la dernière. Normalement, c'est la dernière. Ouais, c'est la dernière vidéo. C'est un mec, il est sorti de nulle part, il s'est dit, je vais tout travailler. D'accord? Je vais faire un mouvement de squat, je vais faire du rowing, je vais tout faire et ça va tout travailler. Et ce qui me dérange, c'est qu'il a mis bras. Tu vois? Alors, les frérots, c'est pas parce que tu fais un mouvement où ton bras, il bouge, que tu bosses ton bras. D'accord? Il faut pas faire ça. Ça sert à rien de faire ça. Concentre-toi mouvement par mouvement. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils se disent, si je fais un mouvement, ça sert à rien, j'en fais quatre. Je fais ça pendant 10 minutes et je suis tranquille. Alors que non, c'est pas comme ça. D'accord? Si je fais du squat et du curl biceps, c'est pas un deux en un. D'accord? Tu négliges. Vaut mieux séparer toutes les parties auxquelles tu veux bosser pour avoir des meilleurs résultats. Mais va pas faire un squat rowing. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je sais même pas si lui, il s'est senti bien après sa vidéo. D'accord? Il faut pas faire ça. C'est important. En fait, le problème sur TikTok, c'est que les gens, ils veulent trop te faciliter la vie avec le sport. Ils veulent te faciliter les choses. Alors qu'il n'y a pas de secret. Il faut se faire mal. D'accord? Là, de ce que j'ai vu et de ce que je vois, il y a plein de choses qui t'empêchent de te faire mal, qui te montrent que le sport c'est cool. Le sport c'est cool, mais il faut se faire mal, d'accord? Et nous les sportifs, on aime avoir mal, d'accord? Je sais que si tu fais pas de sport de base, tu peux te dire que c'est bizarre, d'accord? Parce que toi, tu as déjà fait du sport auparavant, t'as mal, c'est pas agréable. Mais on apprend à avoir mal et on finit par aimer de se faire mal, d'accord? C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et moi, j'ai ma petite théorie de ça, parce que au début, personne n'aime se faire mal. Mais c'est quand tu te fais mal et tu vois la récompense qui est le résultat, ton corps changé, là, tu commences à aimer. Parce que
À chaque fois que tu vas te faire mal, tu vas te dire, je progresse parce que je me fais mal. D'accord? Et ces douleurs vont se transformer en dopamine pour toi qui sera vraiment bénéfique pour toute ta progression en musculation. Ok? Parce que là, si tu fais les séances de sport où non seulement tu te fais pas mal, mais tu n'évolues pas, là tu seras dégoûté à vie du sport. D'accord? Tu vas te dire, non seulement je perds mon temps à faire des mouvements de bras, à faire des trucs où je me fais mal, et tu peux te blesser aussi. Mais en plus de ça, je progresse pas. Donc, à quoi ça sert de faire du sport? Ok? Donc, fais-toi mal. Et encore une fois, j'ai une séance bras, une grosse séance bras lourde en salle, par contre, mais d'autres séances à la maison sur ma chaîne YouTube, notamment juste avant cette vidéo. Il y a ma séance bras. Et là, tu vas voir la définition de se faire mal, concrètement. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que tu as pu kiffer. Je pense que j'en ferai pour d'autres groupes musculaires ou un peu plus longs. Ou si tu trouves des exercices bizarres sur TikTok et tout, ou sur Instagram, envoie-moi ça sur Instagram, ok? En message privé, en DM. Comme ça, je peux voir, je peux analyser ça et choisir si je fais une vidéo dessus ou pas, ou si je sélectionne la vidéo. Je sais qu'il y a des vidéos où il y a des gens, notamment une personne qui fait le con, qui fait le pitre. J'aime bien le descendre sur Instagram. Peut-être que je ferai une vidéo où je m'occuperai de son cas. Je verrai. Je vois si je trouve des extraits, je te montre ça là, mais il est très connu, il fait le con à chaque fois et moi ça m'énerve, d'accord? Mais bon, on verra ça, on verra comment ça se passe. Si t'aimais cette vidéo, mets un petit j'aime, mets un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. T'as mon code d'âme sur MyProtein et mon lien dans la bio, histoire de me faire plaisir, de faire plaisir au sponsor, de montrer que la team Dams Jordan, on est là, on est bien. Et puis voilà. Bon, sur ce, moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.